Donc là c'est barré. On pourrait presque monter dessus. Ah, déjà des canettes. Wow, ils ont bougé de côté les poubelles. Ils vont arrêter de les mettre sur le trottoir. Le message a fini par passer. Au bout de 3 ans, 4 ans. Livraison fin 2022, mais j'espère que tronçon, ça va être avant. Chaque fois que je passe, il y a toujours un qui a été renversé. C'est jamais le même. Il y a des petits comiques. Ah, ils ont goudronné le trottoir devant l'abribus. Donc ils l'ont déplacé il y a une semaine. Mais avant, c'était encore du gravier. Donc il y aura deux passages piétons. Là, ils ont refait l'îlot. Hop, on retrouve la bonne vieille pipisse de 2017. Ça avance, au moins depuis qu'ils ont mis de la terre, ils viennent plus ici, plus trop. Et à terme, juste avant le chantier, il y a un accès à la voie verte. Et à terme, a priori, il y aura une piste cyclable traversante. Mais je ne sais plus si c'est à partir de cet accès ou ici, parce qu'en fait, ils ont agrandi la zone d'huile, elle va être agrandie, doublée presque de ce côté-ci. Et ce sera peut-être cet axe-là où il y aura une piste cyclable. Donc il nous manque toujours le petit trou là. Bon, techniquement comme c'était à 50 j'avais le temps parce qu'il y avait quand même presque 200 mètres, mais bon. Comme on connaît les bestiaux. Ouais, je suis pas persuadé que fin juin ils auront fait le petit bout là. Bon allez, on va tenter. Ouais, ça va être le stock pour le dernier segment. La descente finale vers Noyal. Alors c'est pas tout à fait des raccords à zéro, donc on sent un petit truc. Bon, ça aurait pu être pire. Ah, cela était mieux fait. Par exemple, là c'est la merde. Donc il y a un trou. Ils explicitent aussi les priorités qui m'a laissé dès le passage. Ah merde, j'avais oublié ça. Voilà, donc là il y a. Non, ça sera pas prêt à juin ça. Ah, et du coup pour les enfants là c'est vraiment pas top.
On va tenter l'accès en ralentissant bien. Voilà. Le Bresgo, voilà. On voit ce qu'il m'aurait fait subir. C'est des spécialistes. Donc là, il faut aussi qu'ils explicitent. Ils ont prévu des regards anti-végétation. Vous avez pu y en avoir encore des petits bouts qui passent, mais ça c'est gérable à la main au cas où. Normalement, le gros va s'arrêter avant. Ouais. Donc les enfants, ils pourraient venir, mais ils seraient sur la caillasse. Ça va un peu tôt, mais bon. Il y a le dernier bout en train de canaliser ici. Je n'ai pas de bras pour tourner, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est El Classico. On the target. On voit que c'est pas traité. Officiellement est terminé le 1er juillet, mais 5 semaines, j'ai un peu de doute. Enfin, 5 semaines, 4 même. Quatre et demi. C'est que quand ils quittent le chantier, ils enlèvent les panneaux 30. Alors que l'arrière municipal, à mon avis, c'est jour et nuit. Distance 1m50. Boomer de merde. Un mètre cinquante. C'est vraiment des connards. 1m50. Putain, mais même eux ils le font quoi. Déjà qu'ils nous refusent la priorité quand on est dans les giratoires. Quand ils sortent de leur caserne, les bouffer. Le mec, il voit deux infractions devant lui. Il fait la même.
comment tu veux qu'on les respecte? Mon grand-père était gendarme, il faisait gaffe quand il doublait. Et ils veulent du respect, mais c'est plus la même génération qu'avant. On voit que les forces de l'ordre maîtrisent bien le code de la route. Donc pour l'instant, ça reste toujours impraticable pour des enfants. On verra dans un mois. Aussi parfait. Moi j'ai le temps de passer, mais à mon avis toi non. Oh, putain, il l'a fait quand même. Putain, mais t'avais pas la distance, mec. Même lui était à 50. Et donc là, c'est le fameux accès pour les ouvriers. Voilà, faudrait qu'il coupe un petit peu là parce que c'est les deux côtés quoi. Au départ, il y avait un mètre de végétation de libre. Il passe dans sa gazon en souffrant avec les branches, mais il pense pas les couper.